Tu t'avais défendu de sortir, toi, sauf pour l'école, il me semble. Ça fait trois fois, là. Je vais juste aller prendre l'air, là. Faire le tour du bloc. Tu veux rire de moi? Demain, j'appelle le tribunal. Hey, on pomme pas une heure, là. Ils vont venir te chercher. Tiens, tu peux faire ta valise. Je serai pas là pour venir savoir. Comme tu veux, t'es débrouillard, ça fait que débrouille-toi tout seul, mais moi, demain, je change toutes les serrures de la maison, OK? T'as fouillé dans mes affaires. Il te manque-tu quelque chose? Mon argent. Ça, c'est pour rembourser la montre de ton frère. Tu vas me payer ça. Un cognac. Des grosses affaires électriques. Il paraît que je cherche un morceau. Comment ça? Martin, j'ai juste entendu parler. Moi, c'est pas mes réunions. Tu sens encore l'âme d'un grand frère de temps en temps? Ben, ça m'arrive. Un bon fond, ça ne fait pas. Avec Danny, tu joues pas au faux frère un peu? La 10 ou 5. Vous avez une chance. Laissez-les pas s'embarquer dans les affaires comme ça. On va aller jouer. Tout ta gueule. Moi, j'ai rien demandé. Je cours après personne. Moi non plus, je t'ai rien demandé. T'as d'autres, tu peux continuer à vendre, même s'il faut que j'amasse les pots cassés. Ça pourrait changer. Thank you.
OK, Dupuis. Je vais faire comme si je l'avais pas trouvé ce que le petit m'a demandé. Mais dis-toi bien d'affaires, Danny, il magasine. Il est décidé. Si c'est pas moi qui vends le morceau, ça va être un oncle. À 10 ou 5. Est-ce que tu t'en vas? Ça n'a pas l'air. Pour tout le temps? Si je reviens, ça va être pour casser la gueule à ton frère, tu lui dirais ça. Pourquoi? Parce qu'il est bavassé? Danny, tu devrais redonner sa montre à Luc. Peut-être que papa te mettra pas à porte. Je pars pas parce que papa m'a mis à la porte. Je pars parce que je suis plus capable d'y voir la face. Pourquoi? Pourquoi tu l'aimes pas, papa? Elle a été fatigante. Va donc te recoucher. Vous êtes toujours un chicane. Parce qu'il a jamais voulu m'avoir dans ses jambes, tu comprends-tu? Il a jamais voulu me voir à la face. Si tu te poses des questions, ben tu lui diras que moi non plus, à partir d'Astor, je le considère plus comme mon père, OK? Tu lui diras ça. OK. Ça va lui faire plaisir. Moi, tu fais-tu m'en voir la face? Ben, t'as rien à voir là-dedans, toi. Je vais passer te voir dans le cours d'école. Tu sais, Gravin. Je vais avoir un char. Salut. Tu diras à ton père de me rappeler demain matin. Rentre chez vous, le niaise pas. Salut. Salut. Non, t'as-tu des problèmes avec ta fille, toi? Non, pas encore. Tu as acheté le café? Oui. Qu'est-ce que t'as, Gilles? De rien. Tu veux pas en parler? Je vais répondre de l'air. Hey, Dupuis! Danny? Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Il faudrait qu'on se parle, Danny. Hey, reste là! Qu'est-ce que t'avais d'affaires, aller parler à Ricky? Ça marche avec des vraies balles. Arrête donc de niaiser, là. Sais-tu que t'es un pourri, toi? Danny! Allez!